La formation était géniale et la formation m'a beaucoup enrichi. Pour quelqu'un comme moi qui n'avait aucune connaissance particulière sur le genre, et deuxièmement, je n'avais aucune connaissance sur la corrélation entre les liens du genre et commerce. Je ne voyais pas trop comment ça marche. Donc je sors de ce cours en sachant exactement que le genre n'est pas seulement une question de femmes, mais c'est une question d'égalité et d'équité entre les hommes et les femmes. Pour qu'on parle plus des femmes, c'est essayer de ramener les femmes au même niveau d'égalité, puisqu'elles sont, depuis des générations, elles sont maltraitées, elles ne sont pas considérées. Donc on s'implique plus sur les femmes pour les faire remonter au même niveau des hommes et ensuite partir de là. C'est ce que je retiens de ce cours. Suite aux différents échanges avec tous les participants, je me suis rendu compte que le ministère du Commerce du Gabon n'avait pas encore une division genre et commerce et équité. Donc, au sorti de ce cours, je compte recommander à mon ministre de la création de cette division dans notre ministère. Elle sera en charge notamment d'améliorer la participation des femmes dans toutes les structures de notre ministère, de relayer les informations de tout ce que nous faisons au ministère du Commerce, vraiment essayer de nous mettre à jour avec nos confrères. Et je remercie l'IDEB de m'avoir donné l'opportunité de vraiment apprendre. J'étais vraiment ignorante de ce sujet. Et je sors de là avec enrichie en informations. Et par rapport à mon travail, je compte vraiment m'orienter, voir quels sont les liens entre le commerce et le genre, et faire des plaidoyers à travers tous les autres ministères, parties prenantes dans la chaîne des valeurs. Avant cette formation, je n'avais aucune idée de ce que faisait l'IDEP. Je ne savais pas qu'ils étaient basés à Dakar. Au sorti de cette formation, je remercie l'IDEP de m'avoir donné l'opportunité d'être formée, l'opportunité de prendre part à ce cours et d'avoir renforcé mes capacités. Je trouve que cet institut en Afrique fait bénéficier aux jeunes fonctionnaires comme moi et leur donne l'opportunité d'avoir de nouvelles connaissances et donc de pouvoir devenir encore des meilleurs négociateurs. Qu'est-ce que l'IDEP peut faire? Par rapport à ce cours, lorsqu'on parle de genre, on ne parle pas simplement de commerce, on parle de changement climatique, de pauvreté. Il faudrait avoir des cours qui sont axés aussi sur les accords commerciaux de l'OMC, par exemple. Essayer de voir comment on peut parler de en exemple de l'accord commercial de l'OMC avec ce qui se passe en Afrique, avec les situations contextuelles de l'Afrique aujourd'hui. Il faudrait vraiment une relation qui soit beaucoup plus efficace et qui traite mieux les problèmes de l'Afrique.